Salut à tous, c'est Noirinho, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls 3. Un jeu auquel je n'ai jamais joué. Une série de jeux auxquels j'ai jamais vraiment joué, vu qu'en fait j'ai commencé Dark Souls 1. Attendez, c'est vachement fort. J'ai commencé Dark Souls 1, mais j'ai pas dépassé le premier, entre guillemets, boss, enfin le truc du tuto. J'ai pas vraiment essayé d'aller plus loin en fait. J'aurais pu me le faire, je pense, mais j'avais la flemme. Donc, j'ai vu sur internet qu'apparemment Dark Souls 3 c'était le plus facile, et donc, vu que je suis très mauvais, et ben, on va essayer de get good, comme on dit. Donc, la luminosité, je la laisse comme ça parce que faut que vous voyez quelque chose, et que de toute façon, même quand je mets à 0, je vois toujours le dragon. Là, il y a sa langue, là, il y a le feu, là, il y a le corps, là, il y a les dents. Enfin voilà, donc ça ne sert pas à grand chose en fin de compte. C'est parce que j'ai une dalle IPS, donc ça, à ce niveau-là, ça ne sert à grand chose. Oui, ça me paraît bien. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Aldrich, Saint of the Deep. Farron's undead legion, the Abyss Watchers. Lord of the profaned capital. Yon the giant. The lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead. Unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Bon, il a l'air facile ce jeu. Alors. Hop, Norignos. On va faire du classique. Hein. Âge. Ça n'a pas de conséquences. Ça a des conséquences que sur apparence. Bon, ben, on va garder jeune. Classe. Alors là, j'ai lu que sur internet, apparemment. Oula, par contre, les textures sont dégueulasses. Pourtant, je suis en 4K là. Bon. Donc, j'ai lu donc sur internet que la pire classe c'était mendiant parce qu'on commençait avec de la merde. Et que la meilleure classe pour commencer c'était chevalier.
Et moi, j'ai envie de vous dire, le pyromancien, ça me tente un peu plus. Les flammes. Parce qu'il peut attaquer à distance, et ça m'intéresse. Connais propre recherche, il permet de commander les âmes. Héros. Héros, j'ai aussi vu qu'il avait un sort de soin. Un miracle de soin léger. Oui, mais si je prends pyromancien, je suppose qu'il y a du mana. Donc, je sais pas trop. On va prendre chevalier. Ouais, écoutez, je débute, je veux pas m'en prendre trop dans la gueule. À notre vie. Augmente le nombre maximal de PV. Ah! S'il reste tous les mots. Oui, d'accord, mais. Je peux l'utiliser plusieurs fois? Je suppose. Je suppose que ça se recharge au feu de camp, comme dans Sekiro. Parce que oui, j'ai un peu joué à Sekiro quand même. J'ai fait quelques boss. De l'eau bénite. Réussite l'intégralité PC. Bombe incendiaire. Gemme de feu. Arme de feu. Il n'y a que des jolies babioles à un guerrier. D'accord. Dormir permet d'acquérir bon nombre d'âmes. J'ai funéraire apportant la fortune après la mort. Au grand monde. Objet de jeu en ligne. Ah oui, non, alors non. Branche d'un jeune bouleau blanc, gage de pelle, permet de fondre dans son cercle une fois. Bah écoutez, je pense qu'on va prendre la bénédiction divine. Ça me paraît être. Visage préétabli. On va essayer de. Enfin, on va pas trop se personnaliser la gueule non plus. Hein. On la verra pas pendant le jeu, donc. Voilà, un peu au hasard. Apparence. Je m'en fous. Oui, parce que c'est censé être joué à la manette, mais moi je joue au clavier souris. Parce que niquez-vous. C'est parti. Ok, très bien, c'était super rapide. Oula, par contre, il y a un problème de son si là. Paramètres, je saurais que ça vite fait. Voilà, c'est mieux. Alors, ah, il y a des messages. On va les lire. Ah, lire le message. du coup, je suppose. R commande. Pff. Si vous me dites le tuto pour utiliser une manette. Oui, donc, je suppose que c'est ça. C'est le bouclier. Ça. Est-ce qu'il y a de la durabilité sur les armes? Je ne sais pas. Ça, c'est la molette de la souris. D'accord. J'ai les astuces bénédiction divine. Ok. Merde. Attaque puissante. Ouais. C'est ça. Non, ça c'est pour. D'accord, je peux prendre mon arme demain. Alors attendez, je vous fais une petite coupure pour que je regarde les touches, hein, sinon ça va être un peu chiant. Re, bon, j'ai branché une manette. parce que ce sera plus simple, je pense. Donc attaque puissance RT. Ça c'est un coup de bouclier, très bien. Ça, je suppose que l'attaque légère. Attaque puissante. Se protéger. Ok. Donc ça doit être le premier ennemi. Verrouillage, si. D'accord, donc si je fais ça, on va essayer de s'approcher avec le bouclier levé. Wow! Bah il est facile ce jeu. Très facile. B par arrière, LB roulade. D'accord. Donc B par arrière, LB roulade. Ok. La roulade, de ce que j'ai compris, c'est un truc hyper important. Là j'ai deux choix. Soit je vais à gauche, soit je vais à droite. Je vais aller à droite. Faut des trucs de tuto. Quoique. Là, je vois des gens à tuer. Donc, on va. Je peux pas le tuer, lui? Si. Ah ah! Vas-y, attaque-moi. Meurs, maintenant. Bon, jusqu'ici, ça a l'air d'aller. Fouille le cadavre. Fiole d'estus cendreux.
Ah, c'est pas pour le mana, ça. Équipé d'un bouclier, garde. RV. Dans le dos, ennemi coup critique. On va s'approcher doucement. Et... Enfin, de toute façon, ça l'aurait one shot. Ah, je sais pas trop si je dois aller par là. Hein. J'ai entendu du bruit. Bon. Ouais, je tape. Ah, un arbalétrier. Écoute, on va aller plutôt aller voir par là parce que les arbalétriers, j'y fais pas trop confiance. Bien que j'ai lu que les boucliers paraient. Enfin, le bouclier qu'on a au départ avec les chevaliers paraît toutes les attaques physiques. À 100%. Pas les attaques magiques, mais bon. Ah bah, j'ai bien fait d'aller ici. Âme de corps abandonnée, ok. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais pourquoi pas. Ça, c'est pour prendre l'épée à deux mains. Ça j'aurais pas dû le faire. Déjà. Ah. D'accord, ok. Et comment je fais pour changer? Ah, ah non. Oh! Alors, attendez. Parce que là, on me tire dessus, ça va pas le faire. J'arrive. Tu vas voir ce que tu vas voir. Raté. Haha, t'es mauvais en fait. Bon, jusqu'ici, il est facile ce jeu. Manipuler la capacité de main droite, LT. Ouais, c'est un coup de bouclier quoi. Oh. Ok, jusqu'ici tout va bien. C'est pas trop difficile. Enfin, c'est le début. Je taunte un peu, mais c'est le début. Tiens, un objet X. Oui, d'accord. Ben, ça, je l'ai appris à mes dépens. Oh! Ah! Ah, on a de l'endurance, joue en haut à gauche. L, plus RB, coup de pied. RP. Donc L plus RB, non. RB c'est right button. Donc si je fais ça. Bah, attendez, je me suis pas trompé dans les touches. L plus RB, oui. Donc, ou ça. Ou c'est quand je suis verrouillé seulement. Je sais pas. Bon, on verra. Et ça. Parade. LT repousse attaque, RB riposte après une parade réussie. Donc, si je fais attaque lourde au moment où je suppose que c'est le moment où l'épée me touche, je pars l'ennemi, d'accord, très bien. Et ensuite, je peux faire une contre-attaque. Bon, j'ai déjà perdu un peu de vie au tuto. Bon, faites demi-tour. Je pense que c'est une mauvaise idée ce que je fais, mais je suis trop curieux. Ok. Au revoir. Est-ce qu'il me poursuit? Il me poursuit ou pas? Il n'a pas l'air de me poursuivre. Je vérifie quand même parce que il avait l'air vénère. Hein. Moi, je vois un fantôme, je me dis bon. Et le jeu est réputé pour être très dur, donc si même le jeu te dit de faire demi-tour, bon, je pense que c'est un truc, un jeu, le genre de boss à faire une fois qu'on a bien avancé. Oula, faut éviter de tomber. Alors, je suis bon aux jeux vidéo d'habitude, mais je suis mauvais aux jeux vidéo durs. C'est opposé près d'un feu. Occupation des... Ah, bah ça c'est bien ça. Allumer le feu. Une célèbre chanson de Johnny. Ça repose près du feu. Du coup, je reprends ma vie et les ennemis respawn, si j'ai bien compris. Bon. Enfin, si c'est comme dans Sekiro. Là, je vois un ennemi. Est-ce qu'il y a de l'XP dans le jeu? Faut pas leur laisser le temps d'attaquer à ces saloperies.
poussé la tête. Ah putain de merde. J'ai pas eu le temps de le voir. Toucher la tache de sang. Hein? Oh. J'ai pas vraiment compris à quoi ça servait de toucher la tache de sang. C'est un élément en ligne où ça montre comment des gens sont morts, enfin, je sais pas. Bon, déjà, je peux récolter des âmes. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais je me rappelle que dans les vidéos que j'ai vues sur Dark Souls, c'est assez important comme truc. C'est un peu comme dans les RPG, plus t'en as, mieux c'est. Une sorte de monnaie en même temps. Enfin, je sais pas trop, je sais pas. Ah, âme vacillante. Bien. Avançons, avançons. 280 âmes. Lui, il a l'air fort. Je sais pas si je vais me le taper maintenant. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose à côté. Et sinon, on va probablement finir sur ma mort. Hein. Non, mais je dis ça parce que bon, la première fois que j'ai essayé de me farcir un boss dans... que ce soit dans Sekiro ou dans... Comment il s'appelait ce jeu? Bah dans Dark Souls, tout simplement. Je suis mort. Ah, c'est pas ça. RB pendant une chute, attaque en piqué. Ah. Oh. Là, je vois un truc sur le monsieur. Je peux pas le prendre? Aïe. Non, bon. Je pense qu'on peut le prendre si on saute. Ah oui, donc, d'accord. Si pendant que je tombe, si je fais RB, ça me fait faire un truc spécial. On va essayer ça, on va essayer. Et ça? Je vais me reposer près du feu de camp, d'abord. Ça devrait faire respawner des ennemis. Est-ce que je peux faire quelque chose avec les âmes au feu de camp? Hop. Près du feu. Allez, hop. Moi, mes fioles. Bon, je peux rien faire d'autre, malheureusement. Ok, il a respawn. À l'attaque! Oh! Va-t'en, Manon. Donc pendant une chute, RB. Ouais. Et là. Ouais, c'est puissant. Vas-y, attaque-moi. Ok, bon, on va essayer de ne pas mourir, mais même si je pense que c'est mal barré. Alors, l'esquive, que je me rappelle bien, c'est ça plus B. Ok. Ça ne me plaît guère. À moins que ce soit un gentil, mais je ne pense pas. Bonjour. Bon, je peux pas le cibler pour l'instant. Ça va? Retirez l'épée. Ça va, mec? Tu veux de l'aide? J'ai vu des vidéos sur ce gars et je crois que c'est un ennemi, hein. C'est un ennemi. C'est un boss. Ok, montre-moi tes attaques. Ok, t'as une grande attaque circulaire, très bien. Ah. Ok, on va essayer de la jouer prudent. Ok. Il peut m'infliger des dégâts pendant que j'ai le bouclier. Ah! Nique-toi! Je spamme peut-être un peu trop les esquives. Je dois jouer très mal, vous m'en excuserez. Oh putain! Ah, potion, bah je suis mort. Ok, bon, très bien. On va faire un deuxième essai. Et si je n'y arrive pas, bah, ça va être la fin de la vidéo. J'ai perdu toutes mes âmes du coup. Ça, je m'en doutais un peu. Enfin, je m'en doutais un peu, mais bon. Tant mieux que je les ai pas farmées. Hop, on va passer par ce chemin-là, vu qu'il avait l'air relativement court. Et on va pas oublier de boire les fioles des sus aussi. Hop. Ah, du coup, il y a un mur de brume comme dans le premier jeu, d'accord. Et quand tu le traverses, ça te relance directement, je suppose, dans le combat.
Ok. Bonjour. Alors, je tiens à m'excuser pour tout à l'heure. Je ne voulais pas vous vexer. Il a repris toute sa vie. Ok, ça, je m'en doutais aussi. Je peux récupérer mes âmes? J'ai vu un petit truc vert, mais... Ah, récupérer les âmes perdues. À me récupérer. Très bien. Non! J'étais trop greedy. Genre beaucoup trop greedy. J'ai enlevé, ok, peut-être un sixième de sa vie. Non, j'ai appuyé sur... Ok. J'ai enlevé un peu de vie. J'ai pas un truc à lui lancer dessus pour le tuer. Ok. Non. Ok. Non. Non plus. Si je le tue, je serais hyper content. Ouais. Ah! Putain, une fiole. Non! Il m'a touché pendant que je buvais. Ah! Non. Faut que je m'éloigne. Faut que je m'éloigne. Faut que je m'éloigne. Ok. Ok. Je stresse là. Je suis pas bien. Raté! Ok. Hein? C'est quoi ça? Non. Là, on va pas être d'accord. Ok, je suis entré en phase 2, j'ai l'impression. Fais esquive. Oh putain, mais c'est quoi cette merde? On dirait une sorte de serpent mutant. Dégueulasse. Ah! Aïe. Faut que je boive. Ok. Si je spam là, ça peut le faire ou pas? Non, ça peut pas le faire. Ok, comment je change de truc du bas? Ah, comme ça. Ok, je suis soigné. Bon, plus complètement, mais. Meurs! Yes! Oh yes! Oh, je l'ai eu! Oh! Oh yes! Braise restaurée. Ah, il y a un feu de camp. Oh, j'ai eu plein d'âmes. Oh! Oh, je suis content là. Putain. Se reposer. Oh, j'ai une sensation de puissance là, c'est... J'avais pas réussi à tuer le premier boss dans Dark Souls 1. Bah là j'ai réussi à tuer le premier dans le 3, je suis content. Du coup, on arrive en fin de vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.